Oh! C'est dégueulasse. Salut tout le monde! Une couple de mois, j'ai fait une story Instagram où je vous demandais c'était quoi vos pires snacks que vous mangez. Puis ben moi, j'ai accumulé tout ça puis j'ai décidé de goûter à toutes vos affaires les plus weird. Créé par vous, goûté par moi et fait par ces mains-là. Ça accompagné de mon fidèle collègue Julien Dufour. Je vous avais demandé de m'envoyer vos pires snacks sur Instagram. Vous l'avez fait en grand nombre, puis présentement, ce qu'on a ici, c'est vraiment dégueulasse. On va se préparer. Bon, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt, Julien? Oui. Oui, il est prêt. Bye! Pour vrai, ça m'écoeure que le tabarnak. Moi, j'ai honte. C'est des vite. Estides. Ça commence avec le meilleur. Ah, t'as deux? T'en as fait trois, mon cher. Non, mais je vais pas manger trois. Okay. Le biscuit au cheese whiz puis à l'huître. Ok, c'est que ça m'écoeure. Je vais y aller d'une bouchée comme ça. Tu te rappelles d'un ASMR, c'est cool. Je peux pas manger le deuxième. Je peux pas manger le deuxième. Y'a ça qui va broyer. Vraiment, c'est vraiment dégueulasse. Pour vrai? Ben, au moins j'ai pas le goût de vomir. Pas bon, là. Non. On a des chips au barbecue trempés dans le lait. Fait que go for it. On va laisser tremper vraiment longtemps pour que ça soit bien mou. C'est quoi le lait? En vrai, tu bois le lait. Arc. Merci. Il n'y a pas question de faire ça. Je vais mourir sur place. Ce qui est dangereux, c'est de pas s'étouffer avec les petits morceaux de chips au barbecue, là. Mais je veux pas envie de boire le lait après, c'est ça le pire. Je prendrais une petite gorgée, c'est tout. Je change rien, c'est comme... C'est qui? Ben, laissez tremper plus longtemps, c'est Pam. Ah, c'est Pam. Encore une fois, quelque chose de dur que tu mets dans du lait pour que ça devienne mou. C'est ça le... Je sais pas c'est quoi le buzz, là. Ça, on m'en a fait des hommages, là. La fille qui mange ça me dit que genre c'est la meilleure chose au monde. Je me dis que ça a l'air bon là. Ouais. Wow. Oh! C'est dégueulasse! Dog dans la sauce dégueulasse. C'est de quoi c'est la sauce quoi? C'est une sauce à l'ail, sauce soya à l'ail. Non, t'en penseras pas. Et les pâtes... Les pâtes, c'est... Pâtes clubhouse. Les pâtes, ça c'est les mains que j'engage pour faire une vidéo. Ça va être pas ah, c'est bon. C'est salé en tabarnak. Pâtes club... Non, calme-toi. Qu'on se calme les mains. Imagine avec du beurre salé en plus que le monde met. Hein. Moi j'aime ça. C'est rare ça. Hey, c'est bien trop salé. Mais non. C'est délicieux. Toast au banane. Ça, on m'a promis que n'importe qui goûte à ça n'en mange après ça régulièrement. Tabarnak. Ah ben. Ben tabarnak. Chris, c'est bon, aussi. Oh. Mon cholestérol va genre augmenter, je vais sûrement crever si je me mets. C'est bon! Moi, je suis comme moins sûr. C'est bon. C'est la banane pogne pas mal. C'est un bon lunch de la fin du monde. C'est sûr que tu trompes pas que ça. Fait que là, on m'a précisé pour lui que
Il faut le mettre vraiment là, moitié-moitié. Puis on le plie en deux. Tu sais, on le trempe dans le lait au focaccia. C'est juste pour que le pain soit mou, parce que c'est vrai que le monde aime ça quand le pain est mou. Hein. Oh man. Du pain mouillé. Oh! Ça c'est bon, man! What the fuck? Oh, mais bon. Moi, c'est terrible. Tu vas regarder ton chewy? Ça c'est terrible. Moi, je vais regarder mon chewy. Ça c'est terrible. Tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Sucré, salé, deux mous, un peu sableux. Yeah. Fais une shot, là, une shot, vite. Ah! Ça c'est pas mauvais. Ça c'est pas mauvais. C'est pas une sauce salée. C'est bon ça. C'est bon en tabarnak. Ça, je suis surpris. On peut remercier Jade d'avoir créé la. Créé cette fabuleuse recette. C'est ça. Cheese trempé dans le café. Fait que. Quelque chose d'un peu plus basic. Une tasse de cheese trempé dans le café. Tout est trempé, hein, c'est ça, c'est ça que je comprends. Le secret, c'est on trempe tout. Le secret, c'est cheese whiz, pain trempé. C'est ça. Récemment. Oh. Je pense que c'est la texture qui met quand même quelque crisse. Oh. Faut que les mains qu'on engage amènent une poubelle qui fasse vomir. Ah. Oh, que c'est mauvais, man. Je suis pas capable d'avaler, man. Ouais, craché. C'est des expériences scientifiques. Tes abonnés. Je fais ça pour vous autres, les abonnés. Si je me sacrifie pour vous. Pas capable. Pourquoi? C'est dégueulasse, chez vous. Après, il y en a partout. Hein? Bon, ça, c'est la mère à Pam, ça. Quel drôle de famille. Hey! Donc, on finit notre merveilleux festin avec une bonne bière aux œufs. Il y a des bouts de jaune dans ma bière. Fait que. Hein? C'est ça. Juste dire que ça va être que c'est une recette que les grands-pères font souvent. Donc. Faut montrer qu'on est plus viril qu'eux parce qu'ils ont fait de la guerre, mais nous autres, on a vécu le COVID. On a vécu le COVID-19. Hein? On est resté enfermé pendant trois mois. Trois semaines. Tiens, mon ami. Sir. On dirait que t'avais un plus gros bout que moi. Il y a un asti gros maton d'œuf jaune, c'est à cuire. Puis genre. Sûr, ça? La couleur de la bière est genre noir caca, genre. Mais bon, c'est vous dire qu'on boit genre. On dirait qu'on boit genre de l'eau des toilettes bleues. Il y a des bouts de marde en dessous là. Le tien, je pense que. Non, viens un peu, c'est super bon. Non, c'est ça. Donc, est-ce que t'as aimé ton expérience Non. Non? C'est quoi le pain que t'as mangé hein? Dans la sauce. Ouais, donc je pense qu'on est d'accord là. On est d'accord avec. La petite sauce là, t'as pas d'ombre. T'as pas d'ombre pour celle qui mange les hot dogs à saucisse. Ben elle est connue en tout cas. Moi, elle est connue. Moi, je sais pas t'es qui, mais je veux pas te rencontrer. L'affaire que t'as préférée le plus? Je pense que c'était le Maple Spread. Le Maple Spread? Le Maple Spread dans le café. Non, dans le lait au chocolat. Le Maple Spread des Cheese Whiz dans le lait au chocolat, c'était bandant. C'était surprenant. J'étais bandé. J'étais bandé. C'était clairement bandé. Non, merci beaucoup d'avoir participé. C'est très gentil. Donc, pirate du faux. Donc, merci. On se voit pour une prochaine vidéo. Là. À la prochaine. Bye bye.